Non, c'est un sujet important. Vous savez qu'il y a un solvant industriel, le gamma-butyrolactone, GBL, qui, une fois ingéré, se transforme en GHB. Or, le GBL n'est pas considéré comme une drogue et peut être acheté facilement sur Internet. La consommation, cette drogue, vous savez que c'est la drogue du violeur. La consommation de cette substance avec de l'alcool, en plus, peut entraîner un état comatique ou la mort. Et plusieurs personnes ont trouvé la mort à Paris à cause de cette drogue. Nous avons donc, en lien avec PPCI, décidé de proposer une action et de poursuivre l'action qui a été engagée par la préfecture de police, puisque 6 établissements ont été fermés depuis le début de l'année 2018 à notre connaissance. Cette action vise à faire en sorte que la ville se rapproche de la préfecture et du collectif Action Nuit afin de définir un plan d'action d'urgence pour la prévention auprès des jeunes, pour des mesures à prendre dans les établissements de nuit et pour la répression contre les vendeurs de GHB et de GBL, et qu'un point, un état des lieux des actions réalisées soit remis aux élus dans un délai raisonnable. Je vous remercie de votre attention.